wonderful, wonderful cats. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Ah, si seulement je pouvais trouver un peu de travail, ça me remonterait le moral. Voulez-vous les dernières nouvelles, monsieur? Bien sûr. Ah, on demande un garçon intelligent pour tenir compagnie à un monsieur d'un certain âge. S'adresser à monsieur Bonenfant, 88 impasse de la Désolation. Oh, bah, je vais m'en occuper tout de suite. Bravo, Félix, ça donnait dans le piège. Et bientôt, je pourrai mettre la main sur ton petit sac magique. Numéro 88, eh bien c'est ici. Entrez, entrez donc. Bonjour mon ami. Ainsi vous avez lu ma petite annonce. Oui, et j'aimerais bien travailler pour vous, monsieur Bonenfant. Mon petit sac magique. Enfer et damnation! Il a disparu! Hé, hey, revenez ici! Monsieur Bonenfant, qu'est-ce que vous êtes devenu? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous ces sacs sont pareils aux miens! Lequel est le vrai sac? Oh, j'aurais dû me montrer plus prudent! Voici enfin débarrassé de ce maudit Félix. Il ne reviendra jamais pour chercher son petit sac magique. Monsieur l'agent, j'ai besoin de votre protection. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur des rats? Il se passe des choses tragiques et mystérieuses. 88 impasse de la Désolation. Ils ont volé la maison avec le sac. Oh! Il n'y a aucune maison à ce numéro. Fiche-moi le camp, espèce de farceur. Félix est de plus en plus bouleversé par les événements. Je suis sûre que cette maison était ici. Oh! Je suis en train de diminuer. Je sens que je deviens plus petit. De plus en plus petit. Tout petit, petit, petit. Malheur, si seulement j'avais mon petit sac magique. Mais tu n'as pas ton cher petit sac magique. Parce que c'est moi. Regarde donc de quoi tu as l'air après avoir subi le traitement de ma machine à fabriquer les mousses. Bien, tu n'es pas plus gros qu'une mousse. Ah, maintenant je vais chercher le tumousse. Chercher le tumousse? Il faut que je sorte d'ici. Oh, une corde! Vite, profitons-en. Voici de quoi mettre fin à Félix. Comment il a pu se sauver? Où peut-il bien être? Il faut que je retourne cette question dessus dessous. Le gars.
voilà. Je me demande où Félix a pu passer. Il ne viendra pas me chercher sur le Tivouche. Voilà, voilà. Je m'en vais étendre là ce grand papier Tumouche. Il attrapera Félix et quand il s'y sera collé, je le jetterai au feu. Comment cela a-t-il pu se produire? Allez voir si le petit sac magique de Félix est toujours en bon état. C'est une bonne idée. Je suis heureux d'y avoir pensé. Ça a l'air d'être le bon. Il faut tout de même que je le trouve. C'est celui-là. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir là-dedans. Bravo! Me voilà revenu à ma taille normale. Félix! Au revoir, professeur! Que je me sens déprimé, j'ai besoin de rire un bon coup. Respirons, respirons. Le rire est le propre de l'âme. Alrighty-o. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Voici Felix sur mon téléviseur électropneumatique. Bonjour, monsieur le propriétaire du cirque. Les affaires vont bien? Ça ne va pas très bien. Je cherche une nouvelle attraction. Quelque chose qui soit percutant. Celui qui me la trouvera connaîtra la célébrité. Je tiens beaucoup à la célébrité. C'est le moment d'employer mon petit sac magique. Formidable. Le voilà parti à la recherche d'une attraction pour le cirque. Et il veut connaître la célébrité. Je vais y mettre un terme. Le professeur appelle Félix. Quelle est exactement ta destination? J'ai entendu. Je suis en route pour la jungle, mais c'est une affaire qui ne vous regarde pas. Quoi? Comment? Il va dans la jungle? Félix, tu es maintenant à ma portée. Je vais te mettre en tout petits morceaux. Je finirai bien par t'avoir un jour, Félix. Défense de m'appeler bonhomme, moi docteur, moi grand sorcier, retourne chez toi, jungle est terriblement dangereuse. Regarde, cactus dévoreur de matou. Vous parlez de ce végétal parfaitement inoffensif? J'adore les gros cactus.
mon ennemi. Prendre au charme de ma banane piégée. Vas-y, tue-le, mon poussin. La dernière heure de Félix vient de sonner. Ça y est, voilà, Félix. Cet animal est toujours dans la jungle. Forme de fantôme sèmera la terreur chez tout le monde. Eh bien, mon sac magique, pas de chance, nous n'avons plus qu'à rentrer. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui peut bien épouvanter les animaux? On peut dire qu'elle en attire du monde et de l'argent. Mon seul regret dans tout ça, c'est que ce cher professeur ne puisse assister au spectacle. C'est la plus formidable attraction que j'ai jamais vue. Ah, je sens que je vais devenir fou. Ah, cet horrible Félix, il a encore réussi à me posséder. Radio. Wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Ce que je suis en train de terminer là est incontestablement mon chef-d'œuvre. En effet, patron.
Tout le monde sait bien que vous êtes un artiste. Fiche-moi le corps d'ici. Hé, patron, Télix se fait interviewer à la télévision. Par la police, du moins, je l'espère. Et non, il raconte un tas de balivernes sur ces fameux oiseaux. Ça ne m'étonne pas, il est toujours prêt à faire le malin. Ainsi, comme vous pouvez le constater, j'ai réuni une collection d'oiseaux exotiques venus de tous les coins du monde. Eh bien, Félix, j'aimerais que vous me montriez les spécimens les plus rares. Eh bien, voici un magnifique pélican haute fidélité présentant son disque préféré. Félix the cat, the wonderful, wonderful cat. Bravo, 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 tous mes compliments, Félix. Maintenant, je vous présente une de mes pensionnaires favorites, la réincarnation de Madame de Tape sous la forme volatile. Allez-y, cher Pythonis, montrez-nous l'avenir de votre maître Félix dans le pur écrin de votre œuf de cristal. Ça, c'est drôle, mon chouette. Voilà qui est très intéressant. Avez-vous un animal encore plus étrange? Mais oui, certainement. J'ai le fameux oiseau à bijoux. Voici un portrait de lui. Tous les jours, il s'envole vers les jungles inextricables et mystérieuses, vers tous ces vieux palais où se trouvent des pièces secrètes pleines de trésors. Il se nourrit uniquement avec des diamants. Il est là-bas, à cette heure-ci. Des diamants? Oh, je voudrais bien voir cet oiseau. Le voilà qui revient. Et à son retour, il me pond toujours deux œufs. Deux œufs chaque jour? Plus que ça, car il effectue plusieurs voyages chaque jour. Deux œufs, un petit oiseau dans l'un et des diamants dans l'autre. Dans celui-ci se trouvent les diamants. Enfin, je l'espère. Il faut absolument que j'aie cet oiseau. Il me le faut. En avant, Rocky. Allons revêtir un déguisement. Qu'est-ce que je dois faire quand j'aurai rejoint Félix, hein, patron? Fais comme si tu étais une maman oiseau, et moi ton mignon petit oisillon. Cours, dépêche-toi! Oh! Allez vite près du bon feu! Séchez vos ailes, réchauffez-vous! Je suis dans une situation qui devient insupportable. Je commence à avoir trop chaud. Le professeur et Rocky la brute. Bandit, que vous êtes sorti d'ici tout de suite. Ceci ne doit pas être ouvert avant Noël. Ceci ne doit pas être ouvert avant Noël. Félix, je t'ai mis là-dedans parce que tu veux toujours te mêler de nos affaires. Vous n'êtes qu'un vieux rat. Vous essayez de me voler les résultats de toutes mes expériences sur l'oiseau à bijoux. Laissez-moi sortir d'ici. Félix, ce que je veux te prendre, c'est ce fameux oiseau à bijoux qui pond des œufs renfermant des diamants. Cet oiseau n'est pas ici. Il est en vacances dans la jungle. Débarrasse-toi de lui, Rocky, nous avons beaucoup à faire. Par ici, la sortie. Et qui est l'imbécile qui a acheté ces oiseaux bizarres? C'est cet oiseau-là que je veux. C'est l'extraordinaire oiseau à bijoux. Il pénètre dans les pièces où sont cachés les trésors dans les vieux palais. Et il se nourrit uniquement de diamants. Mais pourquoi l'oiseau à bijoux n'est-il pas de retour? Vas-y, continue! Ah, le voilà, ce fameux volatile. Maintenant, il va me pondre deux gros œufs. Et il n'est pas prêt de repartir en voyage dans la jungle. Les vacances sont finies. Attention, Rocky! Tiens-moi cette cage. Et voilà deux gros cocos. Nous allons ouvrir celui-là. Quelle merveille!
merveille, quelle merveille! Mais de cette manière-là, ça va trop lentement. Il doit y avoir un moyen d'accélérer le processus. Amène l'oiseau ici, Rocky, et nous allons prendre la totalité des diamants. Et maintenant, à la poursuite de ces bandits! L'oiseau à bijoux vient de se poser. Oh, pardon. Regardez un peu tous ces diamants, patron. Au secours! Les sables mouvants! Au secours, au secours! Au secours, les sables mouvants! L'aimable souvent, les souples mouvants! Je vais vous sortir de là! Il ne marche plus! Non? C'est mon sifflet supersonique pour convoquer les rapaces! Tenez, regardez! Ah, non, non! Emmenez-moi tous ces gens-là chez le shérif! Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Général Astronef, sommes-nous enfin prêts à envahir la vieille planète Terre? Fin prêt, mon cher Forentem, à l'exception d'une chose, une seule. Et laquelle, peut-on savoir? Nous avons besoin de davantage de carburant pour fusée. Nos réserves ne nous permettent de ne faire que la moitié du chemin d'ici à la Terre. Un seul être au monde est capable de remédier à cette regrettable lacune et d'inventer un super carburant pour fusée. Et qui est cette personne? Un jeune homme de la planète Terre, un jeune savant appelé Petit Biquet. Petit Biquet? Exactement. Pointez votre détecto-explorateur sur la planète Terre, général. Bien. Plus près, maintenant. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une bien jolie soucoupe volante que tu as là, Petit Biquet. Bien jolie. Merci, merci, Monsieur Félix. Ah, et as-tu réussi à inventer ce fameux super carburant pour... Oui, c'est fait, Monsieur Félix. J'ai la formule bien gravée dans ma petite biquette de tête. Avez-vous bien entendu ce qu'il a dit, général? Oui. Je viens d'avoir une idée. Qu'est-ce que c'est? C'est le service de liaison interplanétaire. C'est une demoiselle en détresse, sûrement, Monsieur Félix. Il faut aller lui prêter aide et assistance. Oh, je vois d'ici la planète Mars, Monsieur Félix. Regardez toutes ces fusées, Monsieur Félix. C'est un piège! Faisons demi-tour! Trop tard, ils nous ont eus. Oh, si
puisque nous sommes là, monsieur Forentem, que puis-je faire pour vous? Vous détenez une formule pour la fabrication de supercarburant pour fusée. Fabriquez-moi tout de suite. Et si je refuse d'obtempérer? Dans ce cas, le général Astronef se chargera de vous convaincre, monsieur Petit Biquet. Oulala, mon Dieu! C'est ce qu'il dit, Petit Biquet. Ses arguments sont sans appel. Et quant à vous, Félix, vous passerez en cour martiale. Mettez-le aux arrêts, général. Alors, Terrien, je t'écoute. As-tu des volontés dernières? Oui, j'en ai. Mais pourquoi ce régiment de fusées, général? Ce sont nos unités de fusées de choc. Nous allons nous emparer de la Terre. Vous emparer de la Terre? Mais quand? Dès que Petit Biquet aura fabriqué suffisamment de carburant à fusée, nos réserves ne nous permettent de ne faire que la moitié du chemin. Nous y voilà donc! Voilà la raison pour laquelle il voulait tant, Petit Biquet. Général, quelles seront vos fonctions à vous lorsque vous serez sur la Terre? Je serai président, voyons cela va de soi. De quel pays? Duquel? Mais de tous les pays. Alors il faudra que vous appreniez la danse du mât du mois de mai. La danse du mât du mois de mai? C'est la danse que tous les présidents doivent exécuter lors de leur investiture. Montre-moi. Je ne demande que ça, mais lâchez-moi d'abord. Bon, et maintenant en position sur la pointe des pieds. Comme ceci, Félix? Oui, comme ceci. Bon, à présent, donnez-moi votre main, général. Me demande comment Petit Biquet se débrouille avec la fabrication de son super carburant sonique. Le temps commence à presser. Je vais lui donner un coup de fil. Allô, oui, monsieur le Forentem. Oh, il ne manque plus qu'un seul ingrédient. Après quoi, vous pourrez envoyer la première fusée. J'en ai encore pour longtemps avec cette danse du mort du mois de mai. Encore un pas à prendre, général, et vous serez paré. Eh bien, dansez maintenant, monsieur le président. Reviens, Terrien, reviens tout de suite me désentortiller. Mais ce petit biquet que j'aperçois. Vite, droit sur notre soucoupe volante. Demi-tour immédiatement au 116. Le contrôle nucléaire, je les saurai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On les a bien battés, dis donc, ces deux gros malins. Peut-être, mais j'ai l'impression, mon cher Félix, que nous sommes suivis. Ne désespérez pas, monsieur Félix. Jetez vite un second coup d'œil. Voilà les fusées qui font demi-tour et font cap sur Mars. Et leur carburant était tout juste bon pour planète de banlieue. Il va y avoir du sport sur Mars ce soir ou je ne m'y connais pas. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Messieurs les têtes chauves, j'ai à vous parler. Je vais vous annoncer une grande nouvelle. Vous allez enfin avoir des cheveux sur vos têtes. Un explorateur m'a vendu ceci et cet explorateur a réussi à faire repousser ses propres cheveux.
En voici la preuve. Avant et après. Au cœur même de la jungle redoutable pousse un végétal qui s'appelle le buisson chevelu. Vous n'avez qu'à manger les fruits de cette plante et vos cheveux repousseront. Il n'existe qu'une seule personne qui puisse nous rapporter le fameux buisson chevelu. C'est Félix l'Intrépide, le minet sans peur et sans reproche. Messieurs les champs, je vous promets que vous aurez des cheveux. Eh, dites donc, patron, votre ami Félix a son portrait dans le journal. Pour des raisons peu honorables, sans doute, n'est-ce pas? Non, on raconte que Félix va gagner 50 000 dollars. Pour quelle raison? Félix va partir dans la jungle. La société des têtes chauves lui versera la somme de 50 000 dollars pour lui ramener les fruits d'une plante exotique et rare. 50 000 dollars pour des fruits? Oui, les fruits exotiques ont le don de faire repousser les cheveux. Repousser les cheveux, ces fruits font repousser les cheveux, c'est formidable. Oui, regardez, patron, on est en train de lui remettre une carte secrète. Il faut nous emparer de cette carte et trouver ces fameux fruits exotiques. Ne bouge pas surtout, le voilà qui arrive. Vite, Rocky, ou nous allons le perdre de vue. C'est ce qu'on appelle voyager de façon originale, hein, patron? Oui, Rocky. Nous allons mettre Félix dans notre poche. Un tunnel droit devant. Attention, tiens bien notre alligator, il n'aime pas l'obscurité. Non. Oh, allons, n'aie pas peur, mon crocodile. Oh, quel idiot! Eh bien, la dernière fois que je voyage à bord d'un crocodile. Nous allons débarquer là, au milieu des caoutchoucs. Ensuite, je dois traverser la forêt des caoutchoucs. Nous y sommes, c'est par là que Félix doit passer. Bien, il n'y a plus qu'à faire une entaille dans ces arbres pour en recueillir le caoutchouc. Vite, grimpons sur cet arbre, le voilà. Félix, es-tu trop englué pour pouvoir encore parler à tes vieux copains? Oh! Pauvre de moi, me voilà prisonnier de ce sirop de gomme! Nous voulons cette carte secrète qui conduit aux fameux fruits exotiques. Mais en quoi ça peut vous intéresser? Ces fruits font repousser les cheveux des chauves. Tous les cheveux de tous les chauves. Nous l'avons lu dans le journal, pauvre naïf. Et après, la société des crânes chauves m'a engagé pour trouver ces fameux fruits exotiques. Nous reprenons ça à notre compte. En route, Rocky. Tu as tout le temps de faire la sieste. Et comment vais-je me sortir de là? Je suis collé de partout. Impossible de faire un geste. Nous allons prendre un raccourci à travers ces marais. Qu'est-ce que c'est? Ah, un hippopotame! Je vous en supplie, patron, ne prenons plus jamais de raccourci. D'accord, Rocky. Tout va changer, je sens que cette gomme est devenue élastique. Et maintenant, sur mon malfaiteur! Sauvons-nous! Lâchez les bombes!
Rocky, il a repris la carte. Ne le laisse pas filer, surtout. Alors, cette fameuse plante qui fait repousser les cheveux ne devrait pas se trouver très loin d'ici. Ah, la voilà enfin. Le célèbre arbre chevelu, spécimen unique dans le monde entier. Défense absolue de toucher. Oh, et maintenant, il me faut une pelle pour le sortir de terre. C'est curieux, je ne vois Félix nulle part. Il s'est sans doute échappé. Oh, regardez, patron, la fameuse plante. C'est bien elle. Vous voici, végétal capilloculteur. Vous me ferez pousser des dollars par milliers. Moi, je commence à avoir très faim. Eh ben, tu n'as qu'à te trouver quelques fruits sauvages. Eh, voilà des petites prunes, patron. Prends-les-en donc. Elles sont rudement bonnes, ces prunes sauvages, hein, patron? Délicieuses. Tiens, j'ai une drôle d'impression. Tu as une drôle de mine aussi. Ben, regardez-vous vous-même. Est-ce que j'ai l'air aussi bizarre que toi? Bien pire que moi. Tu ressembles à un chien de berger. Et vous, vous ressemblez à un saule pleureur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je cours chez le coiffeur tout de suite. Et moi aussi. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Eh bien, général, nos unités de fusée de choc me semblent fin prêtes. Oui, mon cher Forenkem. Dès que nous aurons ce super carburant pour nos engins, la Terre est à nous. Oui, sans doute, mais il nous faut d'abord capturer l'inventeur de ce super carburant si extraordinaire. J'ai nommé Petit Biquet. Moi, général en chef des forces martiennes, je vais m'occuper personnellement du transfert de ce garçon sur la planète Mars. Parfait. Est-ce que vous allez vous déguiser? Je n'y manquerai pas, mon cher Forenkem. Ça suffit maintenant, petit Biquet. Assez d'entraînement pour la journée. Très bien, monsieur Félix, c'est vous qui en décidez. Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. Entrez. Que désirez-vous? En quoi puis-je vous être utile? Je suis navré de vous déranger. Je cherche le professeur. Peut-être pourriez-vous me renseigner. Il est sorti, monsieur. Je regrette. Ça ne fait rien, je vais l'attendre. Asseyez-vous là, monsieur, et mettez-vous à l'aise. Merci. Hé! Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un pendule, mon chaton. C'est un jouet charmant et très amusant. Regardez bien, jeunes gens. Vous pouvez voir, vous pouvez entendre, mais vous êtes incapable de bouger. Nous sommes vraiment très intelligents, nous, Martiens, non? Et à présent, à moi, mon petit téléporteur. Prochain arrêt, Mars! Ou la vie, petit Biquet. Il nous faut la composition de ton fameux super carburant spécial pour fusée. Pas un mot ne passera mes lèvres. C'est ce que nous allons voir, mon ami. Qu'est-ce que c'est que ça?
autre poisson pris à notre infaillible hameçon. Oh, c'est Monsieur Félix qui vient à mon secours. Général, attachez solidement cet intrus à l'arbre qui tue. L'attacher à l'arbre qui tue? Tu n'as pas l'impression de m'avoir déjà vu? Tout n'est pas perdu. Courage, Monsieur Félix. Venir mourir si loin de sa terre patrie. Ah, je suis vraiment en bien mauvaise posture. Ce forantin maudit s'est fourré dans sa caboche de ferraille d'extorquer à Petit Biquet la formule de son carburant. Et quand moi j'essaye d'arrêter cette brute, je me retrouve saucissonnée comme un paquet sur cet arbre tueur. Hé, on dirait que cet arbre bouge. Qui êtes-vous? Moi, mon enfant, je suis martien. Vous? Comment vous, vous êtes martien? Mais qu'est donc le général Astronef, alors? Lui n'est pas un martien. C'est un échappé d'une baraque foraine qui singe les martiens dans des buts inavouables. Ah, un forain qui singe un martien pour tourmenter son prochain? Mais pourtant, vous êtes un arbre! Erreur, je suis déguisé. Attention, maintenant je vais te montrer une voie souterraine. Tiens, regarde. Parole, c'est un trou! C'est un tunnel qui te mènera au puits sans fond et à la liberté. Allez, va. Vite, entre. Merci, merci, monsieur le martien. Bonne chance. Sois raisonnable, mon petit Biquet. Donne-moi la formule de ton carburant. Et je fais de toi le chef des laboratoires de recherche pour toute la Terre. Que tu pourras cumuler avec celui de chef de la défense passive. Bon, j'accepte, messieurs, mais à une condition. Oui, laquelle? Que vous libériez Félix immédiatement. Que vous fassiez ensuite de lui mon assistant. Bon, c'est d'accord. Général, ramenez-nous Félix le chat. Oui, voilà, j'y cours. Bonne nouvelle, homme de terre. Bonne nouvelle, j'ai décidé de te... Oh! Forantem, Félix s'est enfui. Enfui? Aucune importance. Cet être-là réapparaît toujours. Alors, petit Biquet, que décidons-nous? C'est une condition dont rien ne me fera démordre. Pas de Félix, pas de formule. Qu'est-ce que j'entends? Dois-je l'étrangler tout de suite pour en finir avec ce traître? Non. Balancez-le au-dessus du puits sans fond. Ce sera beaucoup mieux. Jusqu'à ce qu'il parle. La formule ou le puits? Formule, jamais. Oh, il m'a échappé. Monsieur Félix, comment avez-vous fait votre compte? Chut! Suis-moi, ta maman! Quoi? Vous avez laissé tomber Petit Biquet dans le puits sans fond, lequel est à sec par-dessus le marché. Je vous demande pardon. J'ai des mains de beurre, Florentine. Et une cervelle de gruyère, idiot. Je vous dégrade et vous remets au rang de simple soldat. Vous serez le corvée de nettoyage ce soir. Il s'agit maintenant d'atteindre notre soucoupe. Au revoir, monsieur Forantem. Je vous en vaudrai ça. Mon dernier mot n'est pas dit. Au revoir et merci, monsieur le martien. Oh, pauvre général. Grandeur et décadence. Le voilà de corvée. Wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Allô? Allô? Qui donc? Oui, allô, Félix, il faut que vous veniez à mon secours. Que se passe-t-il, Raja? On me vole mes éléphants, Félix, les uns après les autres. Chaque nuit, ils disparaissent, Félix, tous mes pauvres éléphants.
C'est abominable, Félix. Encore un qu'on m'enlève. Vite, Félix. Au secours, Félix. Ne vous inquiétez pas, Radja. J'arrive. J'arrive tout de suite. Le moyen le plus rapide, c'est encore d'avoir recours à mon petit sac magique. Quelque chose me dit que je vais voyager en première. Bien, patron. Les éléphants du Raja sont juste en dessous. Parfait. Tout marche comme prévu. Très bien. En avant la manœuvre. 1, 2, 3, hisse. Doucement. Le contact est mis, ça y est. Vous pouvez y aller, actionner la pompe et hisser ce gros bateau en vitesse. Par là encore, encore un qui s'envole. Et voilà un autre éléphant pour enrichir notre petite collection. Je crois que j'approche du but. J'aperçois là-bas le palais du Raja. Un peu plus et je passe la station. Félix, mon sauveur, ma providence, mon frère. C'est affreux, Félix, il était temps que tu arrives. La nuit dernière, on m'a volé le plus beau, le champion du concours de la plus belle trompe. Ne vous faites pas de soucis, Raja. J'ai mon plan et ce soir, vous aurez récupéré vos précieux éléphants. Grâce à ça, je compte les berner suffisamment longtemps pour mener à bien ma mission. Félix, prépare-toi, mon ami. Je les entends venir. Contact, patron. Aïe, hissez-le. Doucement, doucement. Oui, il est lourd, celui-là, ce sera la pièce maîtresse de notre collection. Voilà, Félix envolé aussi. J'espère qu'il ne se trompe pas et vous ramènera, oh, mes éléphants. Cet éléphant me semble à moi un roc vraiment très étrange. Patron, j'ai peur qu'on ait mis le grappin sur un éléphant malade. Nous arrivons juste au-dessus de notre camp. Je m'occuperai de la question une fois que nous aurons atterri. Ça y est, nous avons atterri. Maintenant, voyons un peu cet éléphant. Ça, mais ça n'a jamais été un vrai éléphant. Il est faux de la trompe à la queue. Rock la brute et le professeur, je vous y prends. Vous êtes deux femmes escrocs. Non, non, ce n'est pas possible. J'ose à peine en croire mes yeux. Félix! Au nom de la loi, voleur d'éléphants du Raja, je vous arrête. Occupe-toi de lui, Rocky. Allons, viens ici, moustique. Pendons-le, Rocky, haut et court. Ce n'est pas à chat perché qu'on va jouer, mon mignon. C'est à chat pendu. Oh Dieu, tortionnaire, vous me paierez. Alors viens, Rocky. Et si tu tombes, fais attention de ne pas écraser les éléphants. Ces pauvres petites bêtes. La première chose que je ferai quand je serai libéré sera de vous mettre en prison. Jumeau! Est-ce que tu m'entends, Jumeau? Délivre-moi, Jumeau, et je te ramènerai chez ton bon maître, le Raja de Ragunia. Félix, je te félicite. C'est absolument magnifique. Mais où sont les voleurs? Qu'en as-tu fait? Ils seront
Dans combien de temps pourrons-nous repartir, patron? Sitôt que j'aurai terminé cette petite réparation. Voilà, le mal est réparé, nous pouvons foncer. Et droit sur les éléphants. Plus bas, patron, plus bas, la ventouse. Au secours, au secours! On me pique! Aïe, je suis piqué! Ouh! Eh bien, on dirait qu'il y a du sport là-haut. Oui, il y a comme qui dirait de la bagarre dans la ruche! Les voilà, les voleurs! Garde, amenez-les, nous! Amenez-moi les prisonniers! C'est des services rapides, ça, hein? Les coupables, mon maître, attendent votre bon plaisir. Que chacun d'eux lave chaque éléphant deux fois. Ah, Félix, tu es plus traître et plus trompeur qu'eux. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Regardez, Monsieur Félix, je viens à la minute même de découvrir un nouvel élément. C'est très intéressant. Un nouvel élément, dis-tu? Mais de quelle sorte? C'est de l'eau sèche. De l'eau sèche? Et à quoi cela peut-il servir? Eh bien, je peux par exemple me laver la figure sans me mouiller. Ah! Tiens, voici monsieur le professeur. Petit Biquet, je t'ai déjà dit de ne pas jouer avec ces substances chimiques qui sont tout particulièrement dangereuses. Mais que voulez-vous que je fasse, mon oncle? Tu peux tout de même faire autre chose, par exemple, intéresse-toi au mouvement des étoiles. Oh, voici la planète Mars. Je me demande ce que le Forantaine peut bien faire ce soir. J'ai à ma disposition toutes les fusées nécessaires. Mais malheureusement, je ne dispose pas d'un carburant assez puissant pour pouvoir réaliser l'invasion de la Terre. Moi, j'ai mis au point un plan pour nous procurer la formule du supercarburant. Ah, vous êtes ridicule. La formule du fameux extra super hyper carburant est enfermée dans les profondeurs de la cervelle de ce godelureau de Petit Biquet. Précisément, monsieur le Forantaine. Petit Biquet. Il est malade? Ce n'est qu'un léger incident mécanique, maître. Voilà. Mais vous vous moquez de moi. Ce n'est qu'un robot. Oui, maître. Et je mets à votre service une invention plus grande encore. Le télééchangeur, c'est-à-dire une machine permettant à de très grandes distances d'échanger les objets les plus divers. Je place donc ici, dans mon télééchangeur, le faux Petit Biquet. Ensuite, je mets en route le réacteur à mille pains et le simili Petit Biquet va disparaître. Le voici remplacé par le véritable Petit Biquet. Mais où me trouvais-je? Sois le bienvenu dans la planète Mars, Petit Biquet. Mais qu'est-il donc advenu de Monsieur Félix? Assez joué comme ça maintenant, Petit Biquet. C'est l'heure de monter se coucher. Petit Biquet, voudrais-tu me répondre? Là, je reconnais le travail du forban sidéral, le Forantaine. Et maintenant, Petit Biquet, mets-toi au travail sur la formule de l'extra super hyper carburant pour fusée. Je regrette, votre demande est inutile. Comment? Je me sens en proie à la solitude. Il me faut la compagnie de mon ami Félix. Félix? Je ne veux pas de ce poison ici. Oh, mon maître, regardez. Mais c'est Félix le chat. Oui, ou plutôt une pâle, une bien pâle imitation. Ça marchera quand même, regardez.
Félix, qu'est-il arrivé à mon pauvre petit neveu? Petit Biquet est devenu une sorte de robot et Félix n'est plus qu'une poupée de chiffon. Quel est donc ce mystérieux mystère? Petit Biquet, mais où sommes-nous tombés? Nous sommes sur Mars, monsieur Félix. Sur Mars? Mais pourquoi sur Mars? Je n'y comprends rien. Nous avons été transportés ici grâce à ce télééchangeur. Sur la Terre, nous figurons sous forme de poupée. Mais pourquoi? Monsieur Le Forentheim veut que je travaille sur la formule de l'extra super hyper carburant. J'ai compris. Et ensuite, il sera en mesure d'envahir la Terre. Et c'est pour ça qu'il a rassemblé toutes ses fusées et autres vaisseaux cosmiques. C'est fini tous ces bavardages. Petit Biquet, mets-toi tout de suite au travail dans le laboratoire. Pendant que je ferai visiter la planète Mars à Félix. Entendu. Et nous nous reverrons bientôt. N'ayez crainte, monsieur Félix. Et maintenant, Félix, nous allons régler nos comptes. Général, saisissez-le. Vous n'êtes pas prêt de m'avoir? Laissez-le donc courir, général. S'il ne meurt pas de faim sur la planète, ces rochers parlants feront ce qu'il faut pour le rendre fou. Eh bien, voilà un patelin qui n'est pas très gai. Il n'y a que des rochers à perte de vue. Courage, Félix. Qui vient de parler? C'est moi. Toi? Tu es un rocher qui parle? Non, pas un rocher, un martien. Ici, nous sommes déguisés en rochers. Parle, quel est ton problème? Comment pourrais-je délivrer Petit Biquet, monsieur le martien? Attends, laisse-moi réfléchir. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Ah, c'est pour se déguiser en rocher? Dépêche-toi de le mettre. Et de quoi ai-je l'air? On ne te reconnaît plus. Maintenant, déplace-toi avec précaution. Encore une explosion qui n'était pas prévue. Jamais nous ne serons en possession de l'extra super hyper carburant. Petit Biquet, tu n'as pas de mal au moins? Oh non, monsieur Félix. Mais regardez! Les rochers vont nous écraser! Regardez, mon maître, voilà les rochers! Un tremblement de Mars! Sauf qui peut se sauver? Mais comment? Laissez-moi faire, mon maître. Regarde, petit Biquet, comme il dévale ces braves vieux martiens. Je ne comprends absolument rien à tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon oncle. C'est vrai, vous avez l'air tourmenté, monsieur le professeur. Oh non, mais je sens que je vais devenir fou. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Après! Pardon, monsieur le chat, vous êtes bien Felix le détective? Ça porte malheur à un farfadet de passer comme tout le monde par une porte. Asseyez-vous, je vous en prie, et racontez-moi vos ennuis. Pour qu'il y ait des ennuis, j'en ai. Le
nuit dernière, nous étions dans la carrière des fées, tous mes copains Farfadet et moi-même en train de savourer une bonne pipe, quand tout à coup on a entendu un hurlement aussi affreux que celui de la fée Carabosse. Yahoo! Les deux premiers qui ont été faits prisonniers, ce sont Petit Pita et Pygmé Joe. Et qu'est-il arrivé ensuite? Oh, misère, ça a été horrible, horrible, horrible. Ils ont utilisé des pièges. Au secours, à moi, à moi, à moi! Et alors, ils en ont pris d'autres? Mais oui, bien sûr. Ensuite, ils ont mis en batterie des papiers de mousse. Mais pourquoi s'acharne-t-on comme ça sur vous? Voilà, lisez ça. Avertissement à monsieur le chef des Farfadets. Nous avons capturé 15 Farfadets dans la clairière des fées. Ils ne seront relâchés que contre la remise d'une rançon de 15 pots d'or. Nous vous conseillons de vous dépêcher de nous apporter ça. Tiens, mais enfin, pourquoi ces gens-là précisent-ils 15 pots d'or? Parce que c'est notre loi. Si jamais un farfadet se laisse prendre par un étranger, il doit donner un pot d'or contre sa liberté. Ne payez surtout pas ces escrocs. Je trouverai le moyen de libérer tous vos amis farfadets. Les fées vous entendent, monsieur Félix. Salut, au revoir. Il faut maintenant que je m'en aille. Allez donc faire un tour du côté de la clairière aux fées. Mais comment faites-vous? Il n'y a pas de trappe pour vous en aller d'ici. Il y en a quand on en a besoin. Me voici dans la fameuse clairière aux fées. Maintenant, il faut trouver un indice. Hé, hey, mon piège vient de fonctionner. Nous venons de prendre un nouveau farfadet. Et cette fois-ci, il est de taille. Oui, mais celui-là, nous allons lui passer la corde au cou. Félix! Félix encore, enfer et damnation. Vous, bandit! Vous êtes enfin démasqué et je vous arrête! Félix, tu es fait comme un rat. Te voici au pouvoir du professeur et de Rocky. Et tu n'en sortiras pas vivant, Félix. Félix, tu devrais le savoir à la fin. Chaque fois que tu veux te mêler de nos affaires, ça tourne mal pour toi. Vos affaires consistent à faire prisonnier des farfadets pour leur extorquer des pots d'or. Mais c'est légal. C'est leur propre loi. Tu peux le leur demander. Mais oui, c'est bien vrai. Quand un farfadet se laisse prendre, il est obligé de donner un pot d'or en rançon pour retrouver la liberté. Vous n'avez pas le droit de prendre l'or de ces gens-là. Mais c'est bien agréable, tout de même. Ah, nous voilà tranquilles, les amis. Félix va mettre en prison ceux qui nous persécutent. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? Hé, hey, patron, il y a là un troupeau de farfadets qui n'attendent que d'être capturés. Parfait, parfait. Allons-y, ne les faisons surtout pas attendre plus longtemps. Vous allez voir quand je me serai échappé d'ici. Yahoo! 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 C'est qu'ils m'ont repris. Ah, moi aussi. Comment diable vais-je bien me sortir de cette abominable cage? Il vous faut siffler comme un oiseau, siffler haut, clair et joyeux pour appeler le chef des farfadets. Oh, misère de misère, vous voilà prisonnier. Vous inquiétez pas, je vais vous sortir d'affaire. Et ensuite, Félix pourra nous détacher. Selon la loi, il n'y a que lui qui puisse le faire. Baissez la tête, je vais vous sortir de cette cage. Et maintenant, ne perdons pas de temps. Allons libérer les autres farfadets. Yahoo!
Nous les avons tous capturés, patron. Et chacun d'eux vaut exactement un pot d'or. Non, messieurs, vous n'aurez rien du tout. Je m'en vais tous les libérer. Félix. Toujours Félix, enfer et damnation. Nous sommes prêts, Félix. Hé, hey, j'ai l'impression que notre or fiche le camp. Attention, Farfadet, mes amis, le moment est venu de leur flanquer une raclée. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Monsieur Félix. Oh, il dort comme une marmotte. Bon. Alors, le moment est venu de faire l'expérience de ma nouvelle invention. Petit Biquet, qu'est-ce que tu fabriques encore? Je procède aux essais de mon nouveau pistolet anti-gravitation, Monsieur Félix. Je t'en prie d'arrêter ça immédiatement. Tout de suite, Monsieur Félix. Je voulais dire tout doucement, voyons. Oh, excusez-moi, Monsieur Félix. Mais que fait donc ton oncle? Il est très en retard. La fenêtre de la porte d'entrée, qui ça peut être? Une dépêche sidérale pour Monsieur Petit Biquet. Qui t'envoie ce cosmicogramme? Voyez-vous ça, c'est une dépêche de Monsieur Le Forentème. Il dit ceci: j'ai en mon pouvoir votre oncle bien-aimé, le professeur. Il est mon prisonnier sur la planète Mars. Vous pouvez le sauver à condition de vous conformer à mes instructions. Et quelles sont donc ces instructions? Faites vos malles, mettez-y tous vos appareils qui sont au laboratoire. Restez près de la fenêtre, on viendra vous y cueillir discrètement dans 10 minutes. N'amenez surtout pas Félix. Tiens, tiens! Qu'est-ce que vous pensez de ça, Monsieur Félix? Fais vite tes bagages. Si tu dois y aller, autant y aller tout de suite. Oh, je vais emporter avec moi mon pistolet anti-gravitation. Soyez le bienvenu sur Mars, Petit Biquet. Où est mon oncle, le professeur? Il est sorti. Il est sorti en compagnie de Monsieur Le Forentème. Quant à vous, entrez dans le laboratoire et inventez-nous un extra super hyper carburant. Ah, c'est donc pour ça que vous m'avez fait venir jusqu'ici. Très bien, Général Vieille Baderne. Je vais faire de mon mieux pour vous satisfaire. Ah, Félix? Je vais vous le dire, Monsieur le Chat. Petit Biquet va m'inventer l'extra super hyper carburant et ensuite je vais me charger de l'invention totale de la Terre. Ah oui? Et comment diable allez-vous vous y prendre? Mais avec mon armée, bien entendu, regardez. Des fusées interplanétaires, et il y en a des milliers. Et vous êtes venu ici pour voir le professeur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Une maison de retraite pour terriens trop curieux. Voilà, je vous donne tout le confort nécessaire. Et je vous laisse là pour toujours. Pour toujours?
j'adore ça. Et nos affaires vont vraiment très mal. Petit Biquet est venu sur la planète Neuf pour sauver le professeur. Et moi, je l'ai accompagné pour l'aider. Et maintenant, me voici prisonnier, moi aussi. Oui, tu n'es pas plus avancé que moi, mon pauvre Félix. Mais pourquoi Monsieur le Forantem se conduit comme ça avec vous? Tu n'as qu'à le lui demander, gros naïf, il est justement là. Quoi? Monsieur le Forantem? Oui, je me suis fait enrôler par le général Vieille Baderne. Quand je pense que je suis là, un robot de ma valeur, un puissant chargé de chaînes. Moi, je trouve qu'elle vous vend très bien. Cessez donc de vous disputer inutilement. Il s'agit de sortir d'ici. Sortir d'ici? Mais vous plaisantez. J'ai inventé moi-même cette prison ultramoderne, climatisée, hygiénique et pasteurisée. Vous avez fait là du joli travail et il n'y a vraiment pas de quoi s'en vanter. Cette fois, je sens bien que tout est fini. Tu perds un peu trop vite les pédales, Félix. Qui vient de dire ça? C'est moi. Un martien qui a revêtu un déguisement. Nous luttons contre le général Vieille Baderne, exactement comme vous. Regarde bien ça. Formidable, je suis libre. Merci, noble martien. C'est la moindre des choses. Attention, professeur. Pardon, professeur. Ben... Et maintenant, allons délivrer Petit Biquet. Mais comment faire? Laissez-moi vous aider. Monsieur Félix essaye de s'évader. Cette fois, nous allons en finir. Je t'étrangle. Bravo, Félix. Maintenant, je vais me charger de le mettre à la retraite. Bonne chance. Merci, monsieur le martien. Nous allons nous en aller. Vous en allez? Mais vous ne pouvez pas me laisser tout seul ici. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Vous allez pouvoir vous reposer tout votre sou. Viens vite, Félix, il faut que nous retrouvions mon neveu Petit Biquet. Une explosion! C'est sûrement Petit Biquet! Félix, tout va bien, mais reprenons vite le chemin de la maison, car c'est l'heure de ma petite sieste. Embarquons dans ce cosmonef. Nous ne demandons pas mieux, mais comment l'atteindre? Oh, c'est très facile, monsieur Félix. Grâce à mon nouveau pistolet anti-gravitation perfectionné. Et ne m'oublie pas. Avoir autant de fusées et ne pas être capable de les faire fonctionner. Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watch and Felix the wonderful cat. Ah, voici l'ami Félix qui s'en va trottinant avec son fameux sac magique. À me saisir du sac magique à moi tout seul, je deviendrai quelqu'un de très important et ce vieux radoteur de professeur ne pourra plus me traiter comme un petit garçon. Voyons si ce gros imbécile va tomber dans le piège et s'emparer du sac factice.
mille d'or. Je vais gentiment déposer ce faux sac sur son perron et prendre le vrai. Rocky est sorti en quatrième vitesse. Je n'aime pas ça. Je me demande quelle bêtise il va encore faire. Quoi? Qu'est-ce que je vois? Mais c'est le sac magique de Félix. Je vais mettre ce faux sac à la place du sien et emporter le vrai. Et j'aurai enfin le fameux sac magique. Ils sont identiques. Félix sera incapable de voir la différence. Ce n'est pas le bon. Hein? Je vois que personne n'a été tenté par mon faux sac. Dans ces conditions, je pense qu'il n'y a plus de danger et que je peux sortir le vrai en toute sécurité. Nous avons été joués, refaits comme des débutants. Tant pis, il est dit qu'aujourd'hui, je ne suis pas en veine. Je m'en retourne à mon cher laboratoire. Bon, tu y retournes, le cher homme, à son laboratoire. Ce n'est pas ça qui m'empêchera d'essayer de prendre le vrai sac magique. Ces ouvertures rondes feront tout à fait mon affaire. Il ne me reste plus qu'à le charger sur la camionnette et en route. L'heure est venue de faire une bonne petite sieste au soleil. Toutes mes félicitations, monsieur. Vous venez juste de gagner un placard transportable dans lequel vous pourrez ranger en sécurité vos sacs et autres objets précieux. Où voulez-vous que je les mette? Dans ma chambre à coucher. Et voilà, vous pouvez vous en servir. Je le tiens, le sac magique. Il est à moi, rien qu'à moi, tout seul. Merci, Rocky, merci. Voilà qui va me rendre bien service. Il faut que je trouve un moyen pour que ce vieux grigou radoteur me le rende. Je vais l'emmener et le mettre en sûreté dans mon laboratoire. Ah, ah, je vois le professeur. Arrêtez-vous là. Je suis fouilleur de sacs patentés. Donnez-moi le vôtre. Où voulez-vous l'emporter? Au quartier général. C'était donc toi, Rocky. N'essaie plus jamais de m'abuser avec un déguisement déguisé, tu entends? Entendu, je le ferai plus, patron. Et je vous ai bien eu. Tu es trop bête, Rocky. Tu ne garderas pas ce sac magique. Alors essayez de le prendre. Donne-moi ce sac garnement. Il faut que je retrouve mon sac magique. Il le faut absolument. Imbécile, triple buse, idiot, cours après. Le voilà, petit, reviens vers moi, mon joli sac, viens. Mon Dieu, voici maintenant le professeur et Rocky la brute. Il a filé par l'ouverture dans la barricade, là, tout droit.
Je le savais, Rocky, que nous arriverions à le coincer tôt ou tard. Nous n'en viendrons donc jamais à bout. Il nous a eu encore une fois. He reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat. Je le reconnais, c'est le signal. Et c'est lui, c'est le patron. Rocky la brute, où est Félix? Il est entré dans une librairie pour acheter un livre, patron. Quel genre de livre et quel est son type? Ben, ça alors, j'en sais rien du tout. Tu n'en sais rien? Eh bien, problème. Quoi? Hé, patron, vous m'entendez? C'est un livre de pirates. Un livre de pirates, dis-tu? Tu as bien vu, tu en es sûr? Dans ce cas, ne perds pas Félix de vue. J'ai une carte. Île aux crânes, trésor caché, enterré. Trésor caché, trésor enterré, patron. Caché, enterré, un trésor. Pas d'hésitation, pas d'histoire. C'est moi seul qui dois l'avoir. Ce sous-marin biplace ultra rapide que vous avez construit est vraiment une idée de génie, le patron. Je n'ai que des idées de génie, mon mignon, tu ne le savais pas encore. Faisons le point en nous repérant sur cette carte de pirate. Et maintenant, que fait-il? Je vais risquer un œil. Qu'est-ce que c'est? Vous trouvez pas, patron, que l'eau est joliment dure par ici? Qu'est-ce que ça fait? Il faut rattraper Félix. Voilà un endroit marqué. Je dois d'abord faire 10 pas et ensuite creuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rassurez-vous, j'ai l'œil sur lui, patron. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui me prend? Est-ce que je deviendrai nerveux? Imbécile ignare, regarde où ta bêtise nous a menés. Patron, je vous demande humblement pardon. C'est là. Je l'ai trouvé! Hourra! 1. Je suis le fantôme de Barberousse. Je le pirate. Oh mon Dieu, un fantôme, non. Profanateur que tu as cru que tu pourrais impunément voler mon trésor. Un trésor volé, trésor maudit, malheur à celui qui l'a pris. Oh pitié! Prépare-toi à mourir. Je suis le fantôme de Barberousse, le terrible pirate.
Et toi, tu croyais pouvoir voler mon fabuleux trésor. Malheureux, prépare-toi à mourir. Silence! Aïe, ouille! Tiens, bizarre, c'est un fantôme à deux têtes et à quatre jambes. Ce n'est certainement pas un vrai fantôme. C'est le professeur et ses requis la brute. Messieurs, rien à faire, vous n'aurez pas le trésor. Quel bonjour! Vite, cours-lui après, espèce d'imbécile. Et je le rattraperai, ne vous en faites pas, patron. Attention! Rock, attention! Il nous faut le trésor du pirate, il nous le faut. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, patron? Nous marchons la tête en bas à présent, on dirait. Absolument incroyable! Redresse-moi ce tuyau-là tout de suite. C'est comme si c'était fait, patron. Garde l'œil sur lui, ne le perds pas de vue, il ne faut pas qu'il nous échappe. À vos ordres, capitaine. Ah, toujours votre œil qui traîne partout, hein? J'en ai vu 36 chandelles. Une seule solution, l'envoyer par le fond. Allons-y, 1, 2, 3, torpille. Partez. De ce brigand de Félix. Il faut s'en défaire à tout prix. Heureusement que j'ai pensé à apporter mon aimant géant. Quoi? Mon trésor a drôlement ma bougeotte. Hé, hey, reste un peu tranquille. Ça marche, ça y est, le trésor vient vers nous. Hurrah, le trésor est à nous. Vive Barberouge, le trésor est à moi. Non! Il est à moi, rien qu'à moi. J'assomme qui ne dit pas comme moi. Quoi? Mais le coffret est vide. J'ai été volé, dépouillé, trahi. Je suis le fantôme de Barbe Rouge, le pirate. Par toutes les planètes et les galaxies, le fantôme du pirate. Et vous croyez pouvoir voler mon fabuleux trésor? Non, allez-vous-en.